Elden Ring, probablement un de mes jeux préférés de tous les temps. De par son monde ouvert, sa difficulté, son univers riche, sa rejouabilité, son lore époustouflant quand on s'y intéresse un peu, et j'en passe, celui-ci mérite largement son titre de meilleur jeu de l'année 2022. Mais quand on aime la difficulté et qu'on crée du contenu, on aime bien se rajouter des challenges, comme par exemple le mode Randomizer que vous connaissez bien si vous êtes abonné à cette chaîne. Ce mode remplace de manière aléatoire tous les boss et tous les items du jeu. Tu viens à peine de commencer ta nouvelle aventure et à la place du premier boss, tu te retrouves sur le boss final. Margit qui se transforme en... De quoi faire des cauchemars. L'un des spécialistes de ce mode, c'est Erastem, streamer et youtubeur avec plus d'une vingtaine de runs randomisés à son actif. Et il a vu en moi un adversaire digne de ce nom et a donc décidé de me défier dans une course sur Elden Ring avec le mode randomisé. Les règles sont simples. Nous avons 5 heures pour aller le plus loin possible dans l'histoire principale du jeu. Nous avons le droit de faire autant de boss optionnels que l'on veut, mais ceci ne compte pas dans la victoire. Seul l'avancement dans la quête principale décidera du vainqueur. Pour rappel, dans Elden Ring, votre but est de devenir le nouveau seigneur d'Elden. Pour ce faire, il vous faut accéder à la capitale. Cela peut paraître simple, mais il y a beaucoup d'étapes pour y arriver. Vous devez tout d'abord aller tuer Margit, un boss qui a découragé bon nombre de joueurs à l'entrée du château de Voilorage. Et une fois ce boss tué, plusieurs zones s'offrent à vous. Mais celle qui semble la plus logique est de continuer dans le château de Voilorage afin d'aller tuer Godric, le greffé, et de récupérer sur son corps une rune majeure. Cette rune majeure est extrêmement importante car il vous en faut deux pour accéder à la capitale, Lyndell. Vous pouvez récupérer une deuxième rune majeure sur trois autres boss dans le jeu. Rennala dans l'académie de Lucaria, Radahn à Kaeli de la zone ravagée par la putréfaction, ou alors sur Rikard, le dévoreur de dieux, dans le manoir Volcanic. Une fois ces deux runes récupérées, vous accédez à la capitale afin d'y tuer Morgoth, le roi des réprouvés. Et alors que vous savourez votre victoire sur lui et pensez avoir fini le jeu, vous vous voyez refuser l'accès à l'arbre bleu. Pas le choix. Pour continuer, il vous faudra vous rendre à la cime des géants afin d'y combattre le géant de feu, dernier représentant de son espèce. Après l'avoir battu, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à la forge des géants qui était auparavant gardée par le Golgoth que vous venez de tuer, afin de faire brûler l'arbre monde. Vous êtes maintenant téléporté à Farum Azula, un temple géant volant dans les cieux par le passé ville royale, mais aujourd'hui en ruine. Là-bas, il vous reste une dernière étape importante dans votre périple pour affaiblir l'arbre monde, trouver et détruire Malikette afin de récupérer la rune de la mort. Après un combat épique contre cet adversaire, vous retournez à la capitale maintenant recouverte des cendres de l'arbre monde. Vous êtes pratiquement au bout de votre périple, mais alors que vous arrivez devant l'arbre monde, vous tombez nez à nez avec le plus grand guerrier du royaume et ancien seigneur d'Elden, Godfrey, le premier seigneur d'Elden. Ce type, c'est le Gigachad originel. Mais nous, on est encore plus fort. Les mains sont moites, les BPM explosent après ce combat, mais ça y est, l'arbre monde est devant vous. C'est parti pour le combat final contre d'abord Radagon, qui est aussi Marika. Oui, oui, c'est la même personne. Et les deux ont fait des enfants ensemble, qui sont certains des boss qu'on a battus dans l'aventure. Oui, c'est un peu bizarre, même moi je suis pas sûr de tout comprendre. Mais de toute manière, on est là pour lui faire bouffer le sol. Une fois mort, l'Elden Beast, qui est en quelque sorte la vraie forme de l'Elden Ring, comme le nom du jeu d'ailleurs... Coïncidence de fou, fait son apparition. Ni une ni deux, on la renvoie d'où elle vient et l'on devient le nouveau seigneur d'Elden. Voilà, les bases sont plus ou moins posées. Évidemment, l'histoire du jeu est beaucoup plus complexe, mais j'ai voulu résumer pour que vous compreniez un petit peu ce qui va se passer dans cette vidéo. Je vous souhaite un excellent visionnage et pensez évidemment à vous abonner et à liker la vidéo, si elle vous plaît, et à venir me follow sur Twitch. Bon visionnage à vous. Salut Marjorie, comment tu vas? Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, 13h55, bonsoir, monsieur, s'il vous plaît. Écoutez, il n'y a pas d'heure pour la nuit. Mon perso, je vais l'appeler Victoire. Moi, je vais l'appeler Boubacar pour des raisons personnelles. Mec, je vois déjà mon perso. Mec, c'est déjà un enfer, je crois. C'est vraiment... J'ai quoi comme arme de merde, là? J'ai une arme de merde. Hein. Faucille de l'ossifiant. Ok, bon, bonjour toi. Je vais pas me faire... Je vais pas te taper, de toute façon. Je crois que j'ai sauté trop tôt. Non, c'est bon. Oh, j'ai vraiment... Bah, je vais pas le faire, hein. Attendez, c'est quoi? On va tester mon arme, hein. Venez, go tester mon arme. En vrai? Bon, écoutez, on va voir sur le premier boss, déjà. Est-ce qu'on peut commencer à croiser les doigts et à prier pour que mon premier boss soit pas un truc trop compliqué, s'il vous plaît? Qui est mon premier boss? Et c'est... ça va, franchement ça va. Je lui fais pas de dégâts. Ouah, je lui fais pas de dégâts. Non, j'ai une arme éclatée les gars, j'ai une arme éclatée sa mère. Je ne fais pas de dégâts. Oh les gars, ça va être long. Hein. Ok, allez, il a perdu un quart de sa vie bientôt. Allez, on tape. Ok, bon, il me fait pas très mal non plus. J'ai rien dit, il m'a éclaté la gueule. Mais j'arrive, en fait, j'arrive pas à le toucher les amis. J'arrive pas à le toucher parce que mon arme est trop courte. On dirait mon pénis, putain, allez. Ah bon les gars, faut que j'ai XP je pense hein. On va aller peut-être XP un petit peu non? On le tente ou pas? Vas-y on le tente en vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas joué de toute façon. Déjà? Ok. Attends, je suis méga lourd sa mère là. Ouais sérieux? Mais il est naze à chier ce boss. Oh non le bâtard, dommage. Dommage, j'aurais kiffé le battre. C'est quoi sa cendre? Bien, c'est rien du tout. Oh ma carte direct dès le début là. Ouais, on va pas le faire hein.
Ouais, on va pas le faire. Sachez que ça fait trop bizarre de jouer à la manette là. Je le vois, ma manière de jouer, que je suis pas fluide. Everyday KBM, hein, les gars. Alors, qui c'est qu'on a un premier boss à cette randomizer, mesdames et messieurs? Ça fait longtemps que je me suis pas fait déchirer ma race. Oh, la petite Renala, let's go! C'est la petite. Aïe, pute! Aïe! Let's go. En vrai, si c'est Renala là, ça commence très très bien. Ah ouais, mais je suis tellement lent, tellement peu de dégâts, genre. Ok. Cassez-vous! Mais cassez-vous! Next. Aïe! Je vais mourir sur Renala, incroyable. C'est sérieux de m'avoir touché là, là? Merde. Non! Il lui restait un PV, je suis trop une merde! Let's go, premier boss. J'ai merdé la première fois. Là on commence putain de bien. Ok, cette arme est vraiment beaucoup mieux. Je suis trop con. Oh, je vais faire la merde. Je joue trop pressé là, donc je joue safe. Si je trouve une arme avec saignement, on le fait alors. Putain. Le jeu. Et là faut que je tombe sur un boss pas trop compliqué non plus hein, dans le... Putain de merde. Ah, oh, fais chier. Si j'ai pas de saignement, comment est-ce que je fais le dragon à Kaelid? Pour moi ça me semble impossible. Ok, parfait, ça c'est... Oh non, il y en a trois! Oh merde! Fasse gaffe eux parce qu'ils ont la putréfaction. J'arrive à... Quel enculé! Ok, laissez-moi, laissez-moi. Si j'ai la putréfaction, je pense que c'est fini le combat. Allez, un de moins. Je sais pas combien il va me donner de ruine, il va pas me donner beaucoup en vrai. Hein. Je trouve une arme avec saignement. Dès que j'ai une arme avec saignement, on va faire le dragon à Kaelid. C'est pas mal comme plan de jeu ça, non? Salut Worlds! Ah! Oh! Nagakiba! Dinguerie! Aïe! Ah, me tuez pas là, s'il vous plaît! En vrai, Nagakiba, c'est une arme normale, je crois. Même pas? La jeune cendre? En vrai, je vais jouer Nagakiba, les gars. On en parle de la taille de ton arme, c'est pour compenser mon petit sexe. On va arrêter, je pense. Massacre. J'ai perdu beaucoup de temps déjà. C'est tout une catastrophe, les amis. Ça, je pourrais essayer de le prendre, si ça peut me donner quelque chose de bien. On récupère. Souvenir de la lame d'ébène. What the... Ok, voilà, enfin quelque chose. Ok, voilà, merci le jeu. La game vient d'être relancée, putain. Ouh. Oh, putain, merci beaucoup. Il y a un petit boss aussi à faire juste là. Est-ce que je ferai pas... Est-ce que je me ferai pas vite fait le boss ici aussi pour farmer encore un peu? Je pense que c'est bien, non? Alors, j'ai qui comme boss? Vike, je vais aller à table ronde. Je crois que ça va. Fais quand même gaffe, on en fait quand même gaffe. Il se met à sa vie, ce bâtard. Oh, il fait super mal même, en fait. Oh, j'ai dit que ça allait. J'ai menti. J'entends encore une fois. J'ai pas de blade. Oh, je crois qu'on va essayer d'arrêter de farmer parce que je fais de la merde là.
Bon, on passe enfin Margit. Bon, qui remplace Godric? Un bon boss, s'il te plaît. Pas trop dur, j'avance bien, quoi. C'était qui? C'était Malenia? Ah, c'est Mog! Le réprouvé, let's go! Bon, les meurs. Let's go, first try! Ouais, ça commence bien cette rando. Mais attends, est-ce que Erastem va avoir de la chance ou de la randomizer? Mesdames et messieurs, c'est incroyable! C'est Godric? J'ai le vrai Godric? Oh, tu te fous de ma gueule! Oh, tu te fous de ma gueule! Non! Non! Pourquoi on ralou? Oh my god, mais non. Mais putain, mais... Non mais les gars, je peux pas le faire maintenant. Auralu, pour vous donner une idée, c'est... il est considéré comme le guerrier le plus puissant du jeu. Dans le lore du jeu, gros, c'est le guerrier le plus puissant du monde. Et du coup, tomber dessus au début, j'avoue que c'est... pas dingo, quoi. Et j'espère que Erastem, il a bien des boss de merde au début, là. Hein. Ah oui, donc ok. Oh, j'ai une patte de volaille dorée. Gros Gréroll, mesdames et messieurs, let's go. J'avais pas vu. Mais avec plaisir, enfin. On va aller taper du Gréroll en légende, mesdames et messieurs. Oh, une hache. Ah ouais, mais force 34. Mais c'est ta mère, non? Je vous cache pas, Romain Jacques, je pense que là, il doit avoir l'anus qui sert vachement, parce que là, je suis extrêmement bien, genre. J'espère vraiment que Rénala, j'ai pas un boss de merde. Ok, ça fait le saignement, ok, ça fait le saignement, parfait. Ok, ça va nous prendre 5-10 minutes, mais je pense que ça vaut vraiment la peine, ça, en vrai. Alors, en vrai, les gars, vous vous rendez pas compte, mais ce dragon, il va me donner vraiment beaucoup de runes. Et je pense que ça peut vraiment me mettre très bien pour la suite de la run. Ceux qui connaissent ce jeu, je pense sont assez d'accord avec moi. À mon avis, ça vaut la peine de le tuer, là, le dragon. Et regardez bien mes runes. Regardez bien mes runes, là. Alors, c'est pas les 800... c'est pas les 835, voilà. C'est pas les 835, c'est pas les 835, vous inquiétez pas. Hein. Ça aurait été abusé, le 835 qui est apparu juste avant, c'était pas ça. Ça aurait été un peu triste quand même. Hein. Donc là, j'ai déjà pas mal monté de niveau, on va monter l'arme et on va retourner faire, je pense, Monsieur Auralu. Allez les gars, c'est parti. Non mais c'est une folie, c'est une dinguerie de tomber sur lui au début. Hein. Est-ce qu'on va faire Rénala d'abord? Là, non, les objets importants sont pas random. Donc là, la clé, normalement, elle est là. Si elle est pas là, bah, je devrais faire Godric et Rodan. Et ça sera chaud. Fuck, non! Y a pas la clé. Oula, 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 oula. Pause. Il semblerait que j'ai fait une grosse erreur au moment de randomiser mon jeu. En fait, on avait décidé avec Erastem de ne pas randomiser les objets importants de la quête principale afin d'être sûr de pouvoir continuer. Mais, bête comme je suis, j'ai fait une erreur. Et bah, j'ai randomisé ces objets. Voilà. Le roi des cons, juste là. Mais vous le savez, je suis plutôt têtu, et donc plutôt que de proposer à Erastem de recommencer, je me suis dit que je pouvais quand même le battre malgré ce petit contretemps. Petit contretemps, ça va être un gros contretemps quand même. Pour rappel, pour rentrer dans l'académie, il vous faut une clé. Pour accéder au plateau d'Altus qui abrite la capitale, il vous faut deux parties d'un médaillon qui active un ascenseur, l'ascenseur de Dectus. Et pour rentrer dans la capitale, il vous faut deux runes majeures qu'on récupère en tuant quatre boss, Rénala, Radahn, Rikard et Godric. Et bien tous ces objets sont redemisés et donc placés de manière aléatoire dans la nature et sur d'autres boss. Je sens qu'on va se marrer. Allez, c'est parti. Je vais être obligé de faire Radahn, putain. Pour faire Radahn, les gars, je dois avoir besoin de quoi? Bon, ça va être chaud du coup. Je peux rien faire contre cette attaque, j'ai l'impression. Putain, il va me donner presque aucune rune, ce bâtard. 20 000 de merde pour Auralu, quoi. Putain. Oh, souvenir de Morgoth. Let's go. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Ushigatana.
Romain, t'es mort. Romain, t'es mort. Mal la taille des sabres. C'est Nike. Oh oh. Frisbee. Wouh, limite. C'est pas une partie de limite limite, mais ça l'était. C'est quoi ces monstres? Wesh. Oh ta mère la pute. Oh là 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 là. Je te jure, c'est incroyable le fait que je sois passé là. Tout ça pour la graisse glaciale, super. Tout le monde s'en bat les couilles de ta graisse. Ah. Par contre, n'agresse pas, m'agresse pas. Aïe. Je ne mourrai pas. Aïe, je veux mourir. Attendez, on peut pas commencer comme ça alors qu'on est même pas allé dans le voir le loup cramoisi encore. Bon allez, qui c'est qu'on a à la place du loup cramoisi, s'il vous plaît, un bon boss que je puisse taper facilement pour aller voir Enala. Rykard, culé va. Mais j'ai essayé d'esquiver, j'ai pas pu. Non non non, meurs pas, 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 meurs pas. Pas comme ça Zinedine. Voilà. Et en plus j'ai la traque vipère, mesdames et messieurs. Mon arme sûre. Je suis désolé Romain, mais tu vas saigner de l'anus. Je suis désolé Romain. Ils vont pas la clé que j'ai besoin lui. Clé de pierre de l'éclat d'académie. What? What? Quoi? Je peux pas me TP, je peux pas me TP. C'est quoi cette dinguerie là? En vrai, c'est quoi la proba? Non, mais les gars, on en parle de ce qui vient de se passer là? C'est une putain de dinguerie. Hein. Ok, je tue le boss qui remplace Rennala et après la direction de Leyndell. On est d'accord? Et après Leyndell, ça sera le géant de feu. Et évidemment, je vais avoir que des boss faciles. On est d'accord? Mais t'es un fou de ma gueule! Ok, c'est bon. Allez, s'il te plaît, parmuse de merde. Un boss de merde. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est quoi ça? C'est qui ça? C'est qui? C'est Nala, ministratrice! Allez, combien de runes? Ça fait quelques runes, c'est toujours bien. Pierre de forge, très bien en plus, on va pouvoir monter les armes après. Mais oh! Comment tu parles de ton père? Eh, c'est chaud de first try des boss et de se faire déchirer par les invocations, frère. Ça va être dur de le battre lui. Parce que je veux l'affronter normalement. Je vais pas faire le skip derrière et tout, non. Allez, grouille-toi, grouille-toi, grouille-toi. Bon, je vais le skip. Bon, phase 1, ça va. Phase 1, ok. Avoir le deuxième maintenant. Après, c'est le royal. Après, c'est le royal, hein. Est-ce qu'on peut l'empêcher de se soigner ou pas, juste? Les gars, je sais pas comment on empêche de soigner parce que s'il se soigne en boucle, ça va être chiant, hein. Bon, allez, phase 2 facile, s'il vous plaît. C'est qui? Ça va, ça va. Je pense pas que je vais y arriver là, mais franchement, ça va. Oh, ça va être chaud quand même. Y'a pas de boss. J'aime pas ce bruit. Oh non, putain de merde, non. Oh, faut chier, non. Oh les gars, c'est impossible, impossible, impossible. Oh, je lui fais pas très mal, hein. Non, je lui fais... C'est impossible, les gars, impossible. J'ai pas le niveau. Non, les gars, j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau, j'ai pas le niveau. Je lui fais pas de dégâts, je lui fais pas de dégâts. Je pense que je suis obligé de faire Rennala, hein. Allez. Je suis bête, je le savais en plus, je le savais. Bon, 3 potions ça peut se faire si je suis très bon sur l'oreta. Allez go. Allez, ça peut le faire les gars, ça peut le faire, ça peut le faire. Je gride pas, je joue tranquille, safe. Ok, un tiers de vie en moins. J'ai pas le temps d'attaquer, je le sais maintenant. Et bientôt midlife. Allez, allez, allez.
terrible là, c'est horrible hein. Ok, c'est bon ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 4 potions, allez, 4 potions full life, c'est parti, allez. Ça commence super bien le combat. Ça c'était un bon combat. Bon attendez, on va voir qui c'est parce que là il y a deux P donc il y a deux boss différents là. Donc à tout moment NON. Mais non. Mais il s'est rangé comme une mouche. Oh non. Non c'est mort. C'est mort, c'est placé du sax. Ah attends attends, on est dans une arène où il peut bugger. Peut-être qu'il peut sortir de l'arène et bugger. Et il le bugué en plus. Ah ouais non. Bah non en fait. Bah tu mens en fait hein. 78 de dégâts. Non c'est mort. S'il a son bugué, c'est mort. Si Track Viper ça fait 78, cassez-vous les gars, cassez-vous. T'es qui? Oh non. Oh non, pire boss, je le fais pas. Hein. Ça va, j'ai beaucoup de PV. Tranquille mon re... Ah. Ça va, j'ai fait beaucoup de dégâts. Je fais beaucoup de dégâts. Heureusement, je suis surcheaté pour cette arène. Hein. Waouh! Oh, souvenir du cerf à la con. Let's go. Money. I got money, bitches. Ce boss, il est infernal. Hein. C'est par là. Oh, par contre, c'est horrible. Tu joues pas à Elden Ring 1 mois, t'oublies tous tes chemins, frère. Si, c'est par là. C'était pas par là. Putain, je suis loin sa mère. Mais j'ai pas pris le feu exprès, merde. Oh, oh, je suis mort. Aïe. Oh la vache, les dégâts. Je peux pas faire radar sur TP, ah merde. Bon bah on prend au moins le... Ah oui non c'est fermé. Ah oui merde. My bad. Le censeur de jeu il se souvient plus du jeu. Aïe. On va aller à l'Endel. Je suis insupportable, monsieur. Je suis insupportable. Ok. Ok. Okay. Commandant Dial, à nous deux. Là, je peux vous dire, ça va être chaud patate. Ça serait tellement bien s'il était genre bugué. Ça serait trop bien. Waouh. Waouh. Putain. Ouais, Nial, il est super chaud. Hein. Non, 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 non. Il est sorti de nulle part. Ah, s'il vous plaît, dites-moi que vous vendez le médaillon. Je vous en supplie. Graine dorée, l'arme de vie. Très bien, ça. Ça c'est très bien. Clé lame. Oh! OMG! What the fuck? Ok. Oui, c'est le bon médaillon, putain. Attends, il faut que je vende, faut que je vende. Oh là là, parfait. Oh putain. Bon, du coup, j'ai pas besoin de faire Nial. Ok. Bon, et là, faut prier. Faut vraiment. Mais s'il vous plaît, mais prier pour que j'ai pas des boss trop durs. Là, si je veux rattraper Rastem, va falloir vraiment que, à place de Morgoth, j'ai pas un boss trop dur. C'est possible, mais ça va être chaud. Alors, on a qui là? Incroyable. Ok, là, j'ai de la chance. Moltiamol, 50 000 runes pour ça les gars. Ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal là. Ouah, j'avoue là ça m'a mis pas mal hein. Monte un peu la vie quand même. Un tout petit peu la vie quand même parce que... Quoi? Pourquoi c'est fermé? What? Ah, il faut que j'active la rune majeure c'est ça? C'est impossible, je sais ce qui vient de se passer. Vu que j'ai randomisé, j'ai pas reçu les runes majeures vu que j'ai randomisé. C'est mort, je peux rien faire. Allez hop, gratuit, oh, c'était de la merde. Oh c'est chiant. T'es sérieux le Deathbird? Oh les dégâts que je fais par contre. Oh la dinguerie. Wesh. Wesh. C'est putain de... Mais wesh. C'est bon je suis parti, laisse moi tranquille. Mais non mais laisse moi tranquille. Putain. Il casse les couilles ce bird.
Merde. Genre. Mais genre. Oh waouh. Ok, faut pas que je me rate. Allez hop, meurs. Eh bah putain, la track Viper level 5, ça fait le café quand même hein. Bon allez, on va tenter de faire on va tenter de le faire le bâtard. Let's go. Bon ça va, il est un peu chiant mais il y a large pire. Mon arme elle fait assez de dégâts même si elle est que level 5. Mais ça dépend de la P2 aussi. Parfait. Again. Ça me va. Mais attends, attends, je viens d'arriver connard. Ouais mais je viens d'arriver sale bâtard. C'est la P1, c'est la P1. C'est pas pire que tout à l'heure. En plus je peux vlader les gars en plus. Lui aussi apparemment. Allez, meurs. Let's go, le bel enchaînement. Voilà les boss que j'aime. Dégage. Je suis pas arrêtable tout de suite. Let's go. Allez, ferme ta gueule. C'est un ouf, lui. Et une larme de vie. Avec plaisir, monsieur, dame. J'enlève mon chapeau. Allez, hop, ça dégage. Comment c'est activé les CPNJ? Il y a des indices à acheter pour savoir où sont les runes majeures. Mais oui, c'est vrai. Attends, c'est vrai, Akuto. Je crois que le mob de la première église peut me dire où sont les runes majeures. Putain, c'est totalement vrai. Est-ce que c'était pas le meilleur boss de tous les temps? Bon, maintenant j'ai les runes pour aller chercher du coup les trucs. Oui! Attendez, j'en ai assez là, c'est bon? Je l'ai? Putain, il fallait que je fasse ça! J'ai la rune! C'était sur lui! Putain, c'était sur lui la rune! Le but c'est d'avoir une deuxième rune majeure, c'est pas d'augmenter ma rune, on s'en fout. Enfin, je dis peut-être de la merde, hein, mais t'inquiète. Donc si j'augmente ma rune, je pourrais rentrer dans le château, dans la capitale, vous êtes sûr? Si il reste en pas, il en faut 3. Ah, ok, ouais. Et faut qu'on commence à réfléchir du coup, où est-ce que je pourrais avoir, selon vous, une deuxième rune? Est-ce que vous avez une idée de où je pourrais l'avoir? Que pensez-vous qu'il faut que j'aille faire Ricard? Mais c'est trop long si je dois faire Ricard. Les petits donjons, il y a des boss, du coup, tu auras plus de chances de la drop. Mais je vais pas faire tous les petits donjons, non? C'est-à-dire que je dois me farcir tous les petits donjons. Vous vous rendez compte? Donc là, je vais au Bastiombre, je bute le boss du Bastiombre et on prie pour que le boss du Bastiombre me donne la rune majeure. Et si c'est pas le cas, bah j'abandonne, je FF, je pourrais plus, ça sera assez mort, quoi. Enfin, et si je gagne cette race avec toute la merde que j'ai eue, dingue, hein. T'es sérieux toi? C'est dinguerie de faire ça là, elle a mal mort en plus, ah ouais t'es... Wesh. Wouah. On transforme encore beau normal là genre. Hop. Wesh, bah oui, bah oui. Bah oui, face Vortec aussi non? Non mais c'est trop, wouah la dinguerie. Allez pour l'instant on a pas eu des boss trop difficiles. Wesh. Oh non, je crois que je peux pas traverser. Oh non, oh l'enfer. C'est la pire... Oh. Alors là, je sais vraiment pas quoi faire pour passer. Hein. Après là, il est arrivé plus tôt. Oh, alors. Let's go. S'il te plaît, ne meurs pas. Alors qui remplace Godfrey C'est qui? Ah, Gideon. Oh merde. Désolé, Gideon. Ah, il a le skin de Godfrey. Excellent. Il va être chiant là. Bon, il est dans son arène. Hein. Tu me diras.
Oh l'enculé, ça va être trop dur. Je lui fais des dégâts, mais Gideon, ça... Ah putain, oh, Gideon, je sais l'optimiser, mais là, c'est pas de l'opti. Ah ça, là, c'est le premier défi de la run. Aïe. Oh l'enculé. Oh putain, par contre, il a la skin de Waralu, vraiment. Le Gideon, en randomizer, comment il est buggy. En vrai, Gideon, dans le jeu normal, il est relativement simple à partir du moment où t'es un minimum bien stuffé. Là, je ne suis pas stuffé, frère. C'est ça qui va rendre le boss putain de dur sa grand-mère, là. Oh non, je pouvais tellement rien pas... J'aurais pas dû attaquer. Oh non, son putain de skin de skill de merde là où il explose. Oh l'horrible. Oh, l'enfer que ça va être. Il est mal placé en plus. Dans son arène de merde là. Je l'ai pas touché là? Menteur. Mais frère, il me touche pas des deux premiers. Pourquoi il te... Ça va être dur sa mère. Oh les épées de pute, non mais les épées de pute. Oh t'es chiant. Oh t'es un bâtard, mais il m'a fait 3 patterns avant que j'arrive. Wesh. Ah merde. Je l'ai racketté, vous avez vu? Il m'a donné son portefeuille. Ah j'ai... Ah, putain, je me suis joué dessus. Allez, pitié. Un boss facile. Ça va, ça, non? Ça va? Ça se fait. Ça se fait si on n'est pas nul à chier. Ça se fait si on n'est pas nul à chier. Oula, 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 oula. Ok... What the... Non... Oh, il m'a bien one-shot quand même, hein. Ok, c'est pas mal. Ouh, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, c'est même... C'est... Bah, ok. Ah, c'est mieux comme ça, effectivement. Dis-moi que t'as la rune. Mais il a... Non, il a pas la rune. Non, il a pas la rune. Mais elle est où, la rune? Elle est où? Mais elle est où, la rune? Alors, elle est où? Bah, je sais pas, les gars. Je sais pas où il y a vos scopes. Il n'y a pas d'item, on est d'accord, hein. Est-ce que ça pourrait être sur lui? Ça peut être sur lui ou pas? Ça, de base, c'est un mob de boss. C'est un boss, ça, normalement, donc... S'il vous plaît. Non. En vrai, si j'ai pas la rune, on fait quoi? Je dirais restem, c'est bon, quoi. S'il vous plaît. Ah mais les gars c'est mort, je peux pas, c'est... PNJ à gauche à l'extérieur du château, PNJ à gauche à l'extérieur du château. Allez le PNJ, vends-moi cette rune, j'en supplie. Vends-moi cette putain de rune. Mais t'es qui toi? Mais t'es qui? Ah c'est lui qui peut me la donner. Non mais mec c'est bon. J'en peux plus de ce jeu là. Allez s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie. C'est quoi? Je tente un truc. C'est quoi? Je vais voir ce marchand là. Je vais voir le marchand sur la falaise. Imaginons tout d'un coup il l'est. Je vais voir. Allez, on sait jamais. Bon, qui remplace Morgoth là? Ah, ah, les combats trop longs de merde là, putain.
Let's go. Je vous l'ai dit, plus jamais elle me bute cette connasse. Tout le temps, une fois en randomizer, on est tombé 3 fois dessus, frère. Elle me défonce jamais. Jamais tu me touches. L'autre jour, j'ai eu un rhume. Je l'ai combattu très vite. Merci la Elden Beast. Bon, qui remplace le géant de feu, mesdames et messieurs? C'est un boss qui apparaît plus tard. Oh non. Oh non, pas le gros et sa femme anorexique. Non. Oh, en plus, c'est que la P1. Oh, c'est que la P1. Oh, merde. Oh, la chiasse dans laquelle je suis. Aïe, aïe, aïe. Macar, putain. Bon, c'est faisable, mais il est chiant, ce boss. Ah, putain, c'est le vrai Macar, en plus. Shit. Ça va, je fais des dégâts à balles. Let's go. Ça peut le faire, ça peut le faire. Genre. La tête. Raté, dommage. Oula. Damn, boy. Ah, mais même full life, en fait. Oh, let's go. Ouais, c'est une manière de baltringue, j'en ai rien à foutre, moi. C'est bon. Eh, j'ai galéré sur Gideon, j'ai le droit de pas galérer là. J'étais dans la range, là? Menteur. J'étais giga pas dans la range. Je suis dans ta range, que quand ça ta range. Mais merde, tue-le! Voilà, ça dégage. Elle est là, putain, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est elle. C'est pas ce connard de merde qui l'avait depuis le début et qui m'a empêché. Non mais c'est... Bon, est-ce que j'ai 16 minutes pour faire Morgoth? Allez, pour l'honneur, 16 minutes pour faire Morgoth. Qu'est-ce qu'on en pense? De toute façon, je... Les gars, alors là vous savez peut-être pas, mais en fait je viens de créer un cut là, où via cette mort en fait j'ai modifié le boss qui était le prochain boss, parce que normalement j'avais Malenia, et du coup à la place d'avoir Malenia là j'ai le soldat de Godric. King God. Bon allez les gars, c'était une bonne run. Je ne pouvais pas gagner aujourd'hui. C'était pas gagnable aujourd'hui. Allez, j'appelle Erastem, c'était une belle run. Hein. Monsieur Romain Jacques, qu'est-ce que vous m'entendez? Je t'entends parfaitement mec, tu vas jamais croire mon histoire. Imagine si par hasard je me suis trompé dans la randomisation et j'ai randomisé les objets clés. Imagine maintenant que j'ai passé 1h30 à chercher la deuxième rune pour entrer dans la capitale. Eh, vous savez c'est quoi le pire? Parce qu'il faut le lore complet. C'est qu'on s'est vu avant le live et tout en mode, vas-y on s'organise. J'ai fait Renala, Radahn et Godric pour essayer de trouver des runes majeures. Mec, c'était... Laisse tomber. Après, je veux pas te mentir, sincèrement, je pense que même si t'avais eu les objets clés directs, moi je suis à la cime des géants, aux géants de feu, tu vois. Et encore, je me suis permis de me faire chier avec un boss à la con pendant genre une heure. Je suis à Morgoth, donc j'allais aux géants de feu après. Ah, en vrai? Ah bah, quoique. Et sachant, attends, mais tu veux savoir les boss que j'ai eu? Vas-y, raconte. Elden Beast, Malenia. Oh putain la vache. Ouais non. Oh non. Mais du coup c'était... En vrai moi je me suis bien amusé en tout cas. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la randomizer et... Super mais du coup où je me trompe pas. Ouais. À bientôt. Bisous. Allez bisous les viewers. Chouchou. Ciao ciao mec.